Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Ça fait un petit moment que j'avais pas live, depuis mercredi dernier je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. Salut chat bourré, comment est-ce que ça va? Et bonsoir à tous. Je vais vous mettre le petit son quand même du jeu parce que la musique elle tue tellement. Yo, cal, recal, parce qu'on est en train de se parler aussi, mais re à toi. Attendez, tu vas pouvoir voir le truc. Je crois que c'est celle-là. Tac. La musique, elle tue. C'est un mélange de Skyrim et tout. Dans la musique, elle déchire. Salut Spiraf Memory. Comment ça va, les gars? Comment ça va? Alors, attends. Hop, je vais bouger ça. Normalement, je peux jouer. On est en mode de robe de chambre pyjama ce soir. Hein. Tranquille, c'est le soir. J'ai froid. On est bon. Écoutez-moi ça. Mais ça va tranquille, Spira. Écoutez-moi cette musique de ouf. Un peu Skyrim et tout, quoi. Hyper épique. Franchement, es-tu du cul celle-là? Trop bonne. Épique de ouf, comme on aime. Ça déchire. Oh, faut que je change mon goal, moi là. On a atteint les 100 abonnés. C'est ouf ça. Épique, hein, t'as vu? Épique de ouf, hein, franchement. Es-tu, hein? Ouais, merci mon pote, merci. Et ouais, les petits sangs là, ça fait plaisir. Je vais changer. Est-ce que je change ça maintenant ou ça va tout faire bugger? Non, je pense pas que ça fasse bugger en vrai. Je vais voir. Gérer les objectifs. On va faire terminer l'objectif. Et on va faire un nouveau. Normalement, ça va le faire en directos. Voilà. Paf, allez. Normalement, c'est bon. Ça vous l'a mis. Voilà, on va mettre les 100. Merci, Chatbourré, merci. Merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous tout ça. Voilà, bon. On est parti alors. On va pouvoir jouer tranquillement à ce jeu-là. N'hésitez pas, hein, si vous avez un compte Epic ou une PlayStation 5 ou une PlayStation 4 ou autre chose, téléchargez le jeu et on pourra jouer tous ensemble. C'est un jeu, c'est bien parce que tu commences sur PS5, tu vas sur ton compte Epic et tu as le jeu, tu as ta progression et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va voir si tout fonctionne bien, si ça rame pas ni rien. Hop. Et on va pouvoir blablater en même temps. Le but, c'est de faire un petit live blabla. En vrai, tranquille. On va pas se prendre la tête. On va faire un petit live blabla. Et puis voilà. Si vous avez des questions, des sujets, des trucs, hein, n'hésitez surtout pas. On est là pour passer un bon petit temps. Salut DBS Sonic, comment tu vas? Surtout, n'hésitez pas. Si on parle de ce jeu-là, on peut parler de ce jeu-là aussi. Yo Etienne! Ça va, mec? La forme? Donc ouais, si vous voulez vraiment parler de tout, hein, des petits sujets, des petits trucs, ça va DBS, nickel. J'étais à la maison, je me serais connecté maintenant, je suis au taf. Ah bah bon courage à toi. Taf de nuit du coup, chat bourré? Donc voilà, on est là pour vraiment se faire un petit stream chill. En vrai, je vais pas me prendre trop la tête avec tout ça. Juste, je tiens quand même à vous signaler que une fois qu'on aura, même pas une fois en fait qu'on aura, je pense, dans 2 semaines, ouais, tu passes de nuit, ouais, ça c'est relou. Dans 2 semaines, j'ai bien envie de faire un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais j'aimerais bien le faire en live. Si vous êtes chaud, mais il faut voir quand est-ce que vous êtes quand même le plus nombreux. C'est un ma tier list des Final Fantasy. Jamais fait. Jamais fait ça, donc si ça vous chauffe, je pourrais le faire avec vous en live directement, comme ça on argumente et tout. Il est temps, ouais, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire, donc pourquoi pas le faire et bah, tous ensemble, mais faut me dire les dispos vraiment là où vous êtes le plus chaud. Parce que je sais que mes horaires sont pas forcément ouf à chaque fois au niveau des lives, donc ça peut être gênant. C'est cool cette idée, ouais, ça peut vous plaire en vrai. Comme ça, on le fait en live tranquille, hein, on se prend pas la tête. Hein. On se met des petites musiques tranquilles d'FF et puis en même temps, mais on. Je vous donne ma petite tier list d'FF. Comme ça, on verra qui arrivera en dernier, qui arrive en premier. Faudra que je fasse les listes et tout. J'aimerais bien faire beaucoup beaucoup de Final Fantasy, pas seulement les principaux, on va dire. Peut-être aussi mettre les suites et les petits spin-offs.
Je suis au boss Minerve de Crisis Core dans la mission. Ok, donc t'arrives près de la fin du jeu, toi. Moi, j'ai un peu lâché Crisis Core pour l'instant, je vous avoue. Elle est imbattable cette merde. T'es pas assez. Putain, pourtant, elle était facile. J'ai souvenir d'elle assez facile en fait. Ou alors c'est dans mon souvenir où j'étais trop fort peut-être déjà parce que je sais que j'avais pas mal upgrade et tout. Et tout donc. Donc voilà, attends, je vais peut-être mettre en. Hop. Peut-être plus sympa de se voir comme ça. Alors, là je fais que de la petite récolte, hein. Les pouces, hein, vous voyez, je fais des petits trucs tranquilles. Elle met 99 999 pour un coup. T'es niveau combien? Demande des conseils à Jidan si t'as besoin de farm ou des trucs comme ça. T'es un expert là-dessus. Niveau 75, hein, quand même, ouais. T'es pas non plus sous level, quoi. Est-ce que c'était caractéristique du coup qui merdouille un peu? Mon avis sur l'opus Final Fantasy Crystal Chronicles. Eh ben c'est un opus que justement je pourrais pas placer parce que les Crystal Chronicles je les ai jamais fait. J'ai joué un tout petit peu aux Crystal Chronicles parce que je l'ai sur GameCube et tout. Mais j'ai jamais été plus loin que j'ai fait quoi 3 missions, un truc comme ça. C'était vraiment histoire de le tester. Donc lui par exemple je pourrais pas le mettre dans ma liste de tier list. Je vais pas mettre un jeu que j'ai jamais fait. Et des Dissidia, des petits trucs comme ça. Peut-être baisser parce que ça lag un tout petit peu quand même. C'est pas hyper fluide. Alors ce que je vais faire, parce que je crois qu'il y a un petit truc tout simple à faire. Non, c'est déjà à 30. Déjà à 30, donc je vais quand même. Ouais, vous voyez mon PC de mort là. Ah ouf. Hein. Ouais, j'ai déjà. Ouais, les ombres on s'en branle. Je préfère mettre ça comme ça. Après le reste c'est bon. Alors, ça va déjà être un peu plus clean je pense. Et puis voilà. Alors les autres pouces où elles sont pour qu'on puisse compléter un petit peu les trucs. Et après on va faire quelques petites chasses histoire d'augmenter nos armes. Parce que c'est un jeu où vous augmentez avec l'arme que vous possédez. Là vous voyez je suis level 5 avec l'épée. J'avais aimé Ring of Fate et Echoes of Time. Vu qu'il fallait avoir constitution et esprit en level 255 pour réduire les dégâts. C'est beaucoup quand même. T'es en mode normal ou en difficile? Et Ring of Fate et Echoes of Time, du coup, pareil, je les ai pas fait, mais je pense que c'est des jeux que j'ai. Ouais, j'aimerais bien les faire pour le coup. Alors, on va réclamer ça et puis on va aller faire quelques petites chasses. Tranquille. En difficile, ah voilà, c'est pour ça que t'en chies en fait. C'est que t'es en difficile. On est petit crâne chauve, il brille. Là, il brillera moins normalement. Hop là. C'est pour ça que t'es chaud aussi. On va aller se mettre là. L'aéronef est arrivé. Allons-y, allons défoncer un petit peu du monstre. Vous allez voir que niveau système de combat et tout, il est plutôt propre, il y a des petits combos à faire et tout, il y a des petits trucs sympathiques. Et surtout, il joue à plusieurs. Pas très cool. Petit niveau et tout, il y a de la petite récolte, destruction de décors, d'arbres et tout. Moi, je trouve le jeu vraiment sympathique. C'est un jeu où on va chill pas mal de fois, en fait, je pense. Notamment pour du blabla comme ça. Y a pas de différence avec le mode normal. Oh, tu crois vraiment qu'il n'y a pas de différence? Je pense quand même. Hein. Les aides vidéo pour le moment, pas trop motivé. En vrai, pour l'instant, je suis pas trop motivé. C'est le début de l'année et tout. Je suis pas hyper chaud. Mais après, ouais, j'ai quand même. J'ai envie de parler des MMO qui vont arriver, qui me tentent pas mal. J'ai envie de parler. Bah, il y a. Si, j'ai enregistré quand même un top Final Fantasy XIV là. Donc ça va arriver la semaine prochaine, ça. Juste que je le monte. Et puis, si, parler de FF et tout, évidemment. Parler d'FF, parler de... Après les top FF, on fera les top Kingdom Hearts. Et petits trucs comme ça. Il y a Final Fantasy et moi qui va revenir aussi. Les Square Enix News, hein, comme d'hab. Tranquille.
Oula, c'est qu'il y en a d'autres là. Et après, ma foi, les idées viendront comme ça, quoi, tu vois, quand il y aura des petits coups de cœur, des petits trucs comme ça. Ah mais non, y a vraiment des monstres alors. Ah non, faut que je prenne ma récompense, je suis trop con. Ah non, y a un monstre qui arrive. Pareil, on peut leur détruire un petit peu les cornes, les trucs. Ils se mettent en mode rage parfois. Salut Jujutsu! Attends le prochain PlayStation Showcase avec les 4 fantastiques. On va voir les 4 fantastiques qui va être présenté. Il y a deux monstres là, va falloir faire attention. Mettre l'arme là. Ah, avec les 4 fantastiques, les quatre fantastiques, nous 4, ah bah oui, évidemment, évidemment. Évidemment, les cales fantastiques. C'est pour ça que j'ai pas eu le truc, c'est les cales fantastiques, voyons. Bon, on va niquer à l'autre. Mais ça arrivera, je sais pas quand est-ce qu'ils sont annoncés un autre truc. Pas prévu pour l'instant. Hein. Je crois que je suis fou de Final Fantasy. J'ai même fait FF Explorer, My Life as a King, Dark Lord. Bah, My Life as a King, j'aurais bien voulu faire, mais j'ai pas le jeu. Et par contre, My Life as a Dark Lord, c'est que du démat, donc ça, je ferai pas. Explorer, pourquoi pas, ouais. C'est une espèce de Monster Hunter en plus et tout. Ouais. Oula, il s'énerve. Ouh, il m'a défoncé. Attention. Hop là, esquive. Là, il se vénère. Affirmer qu'il y a moyen, il y a eu des news. Mais on en parlait déjà l'autre fois, et moi je trouve que c'est pas forcément un truc sur FF9 Remake, quoi. Ce qu'il a dit Kitase. Pas un gros remaster et pas un remake. Bah le remaster, on l'a avec le Moguri Mod, hein. Ce que tu nous as fait voir la dernière fois, Cal, ça pète tout, quoi. Franchement, il faut qu'ils embauchent ces mecs-là. Hein. Ils l'ont, leur remaster, hein, déjà. Ça avait pas accroché à FF Explorer, ouais. Ce que beaucoup disent, hein, de toute façon, que c'était pas non plus un truc de fou, hein. Logiquement, c'est fini, il n'y a plus qu'à avoir la petite récompense. Elle est là. Ouais, pareil, Cal, j'ai peur qu'il dénature un petit peu les le jeu. Surtout qu'en vrai, FF9, il n'y a pas grand chose à raconter, quoi. Il n'y a même rien à raconter, tu vois. Dans le sens graphisme du set. Ouais. Ouh, j'ai accompli des petites choses là. Ça veut dire qu'il faudrait le repenser en 3D et tout. Est-ce que vraiment ça aurait un intérêt de le repenser en 3D sans rien changer? Je suis pas certain moi en vrai. Pour moi, FF9, il est parfait comme il est. Ouais, c'est trop de taf. C'est pas un remake, enfin c'est pas un jeu qui est demandé, FF9 remake. Par rapport à FF7. J'ai pas fait perso, je dis oui. Fais-le avec le Moguri Mode en mode en vrai. Comme si t'avais un remaster avec toi là. FF Advance 1 et 2. Non, je les ai pas fait sur Game Advance. Je les ai fait sur PS1 à l'époque. Mais je les ai pas fait sur Game Advance. C'est
sais qu'il a rajouté des donjons et tout. Qu'il finisse le 7. Bah ouais, il faut qu'il finisse le 7. Mais même, il n'y a pas besoin du 9. Ouais, c'est notre équipe. Est-ce que vraiment t'as envie de voir une autre équipe, même au-delà d'FF7, mais une autre équipe de sur encore un remake d'FF du 9 en plus, alors qu'on pourrait avoir une équipe sur un vrai spin-off, quoi. Oh, il y en a un qui a besoin d'aide. Ah, tant pis. Peut-être ça cartonne parce que c'est l'équipe de base. Bah ouais, et puis c'est FF7. C'est la promesse, tu vois. On nous avait promis, entre guillemets, il y a eu tellement de rumeurs, de trucs, que voilà, quoi. Mais en soi, ils auraient jamais sorti la vidéo en 2005. Ils auraient jamais eu besoin de faire le remake, hein. C'est juste ça qui a hypé tout le monde. Parce qu'on se souvient quand sur PS2, il y avait FF8. Ils avaient utilisé FF8. Personne l'a demandé. Donc il m'a défoncé lui. Ok. Faut que je fasse gaffe. Hop là. Une petite potion. Bon gros remaster à la Mugger Human, ouais. Pareil, aucun FF dans la pack du siècle. Mais non, c'est FF7, que vous l'aimiez, que vous le détestiez, FF7, c'est FF7, tu vois. Ça reste le jeu fédérateur, quoi. Celui qui a fait découvrir la licence au monde entier, vraiment. Et puis ça reste FF7, quoi. C'est quand même un excellent jeu. Un jeu magnifique, même FF7 de base, hein. Et le remake est très très bon aussi. Il a ses petits défauts. Très très bon. Un bon remaster pour FF7, un anime si tu veux. Wouah, hey, vous avez vu le premier épisode de l'anime de Nier Automata? En parlant d'anime là pour le coup? Pour ça marche autant FF7 par rapport aux autres? J'ai pas encore vu. Mais pourquoi FF7 marche par rapport aux autres? Parce que c'est celui qui est sorti en Europe le premier, qui a vraiment fédéré un nouveau genre au niveau du RPG, parce que c'était un RPG pur en 2D ni rien, c'était un truc de ouf à l'époque. Et Cal, regarde le premier épisode de l'anime là, il déchire. Il a ramené la 3D, le système atavi était parfait, les matérias, c'était un système de malade, le scénario, on n'avait jamais vu ça. Ah, oh, faut se remettre dans le contexte, en 97, tout ce qu'FF7 avait apporté quand même au jeu. La carte du monde en 3D, c'était fou. C'est le seul qui mérite son remake, à la limite, le 6, sinon les suivants, le remaster comme le 10, voire Crazy Score, pourquoi pas. Ouais, je pense que ouais. D'accord avec toi, Spira. Niveau 6. Voilà, mon but c'est d'atteindre le niveau 7 ou 8 et après d'aller taper d'autres monstres. Pour pouvoir changer ma tenue. Et avancer dans le scénario, évidemment. Oui, il y a quand même un petit scénario. Alors attention parce qu'il va me jeter ses merdes. L'anime Palma, ça va rusher de ouf. Ouais, je pense que ça va vraiment se concentrer sur des grosses scènes et tout. Mais en vrai, c'est pas mal quand même. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. Faut que je les découpe là. Faut que je les découpe. Attendez, faut que je me reprenne de la vie. Ouais, éviter d'utiliser des potions. Ouf.
Allez, il va se prendre un gros coup dans la gueule, voilà. Attention. Là, on lui fait ça pour arrêter. Comment elle s'appelle l'héroïne de Shia Spoken? Je crois qu'elle s'appelle Fey. F-E-Y. Je crois. L'opening, j'aime pas. Enfin, j'aime pas la musique de l'opening. Moi, je suis pas très opening. Je les passe à chaque fois hein, parce que j'aime pas ça. Donc, je lui découpe la queue à lui là. À le calmer un peu. Voilà. La corne s'est fait aussi. Je suis en train de le démarrer quand même. Bon, ok. Hello, Lalwendai. Alors attends, Lalwenda. Fait. C'est ça, fait. Hein. Fesse. 70, putain, je gagne que 70 XP. Ah, faut que je change de zone. Frais. Presse. Frais. Ah, frais. Je sais même pas. Tu vas bien, Lalwendai. C'est un peu un Monster Hunter. Ouais, c'est ça, c'est un peu un Monster Hunter. Ouf, comment j'ai esquivé. Juste laisse le bordel. Des petites quêtes, des petites chasses et tout. Sauf que tu vois, les monstres sautent pas de, sortent pas de zone ou quoi. Parce que t'es que dans une grande île. Mais ça va tranquille. Fey Holland. Ah, c'est peut-être ça. Faudrait voir. Il y a tellement de trailers avec My name is Fey, my machine. Qu'on devrait trouver assez facilement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les dégâts se mettent un petit peu en... pas en temps réel, mais genre quand tu les tapes et tout, t'as vraiment les petites éraflures qui apparaissent sur leur corps et tout. Des trucs vraiment très sympas sur le jeu. Là, c'est fan. Voilà, lui, c'est fait. J'ai gagné que 100 points, donc je vais retourner dans la ville. J'ai fait Monster Hunter World? Pas du tout. J'ai fait la démo. Faut casser ça, non? Ah. Ok, ça c'est plutôt cool. T'as vu la statue de Toupi Prime 1 à 1 tout... Tiens, non, j'ai pas vu. Pas aimé. Si, j'ai aimé. J'ai aimé Monster Hunter World. C'est juste que j'ai jamais pris le temps de le faire en fait. Et j'achète. Non, je vais pas acheter du coup. Je sais pas du tout de quoi tu parles, Lail. Bon, faudrait que j'aille voir parce que je sais pas du tout. Là, j'ai pas vu. J'ai loupé sur le site de. Panix Boutique. Faudrait que j'aille voir. Alors, on va revenir tranquille à Armsgate. L'aéronef, comment je fais? Voilà, partir maintenant. Nier Automata, Tirtis Prime Institute. D'accord, YouTube, ok. Combien? Sûr que ça va être une dinguerie. Oui, je vais réclamer mes récompenses. Deux minutes. Hop, alors. Ça, c'est fait. Ah, je réclame. Salut Anis, comment ça va? La forme? La quête c'était 950. Ok. Ouais non, j'achète pas. J'achète pas, c'est mort. Ça va être beaucoup plus cher. Je peux pas. Impossible. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Nombre de fois. Neutre ou lumière. Ok, je vais plutôt... là, notre lumière, hop. Ah ouais, ouais, ça va nickel à Nice. Alors, Atomic Art, tu le feras sur Twitch. Sur Twitch, ça risque d'être compliqué, surtout si j'ai pas... Je sais pas s'il sort en version boîte. S'il sort en version boîte, il y a moyen que je me le prenne, mais pas tout de suite, parce qu'en février, j'ai déjà Yakuza Ishin, donc pas possible. Mais il y a moyen qu'on se tape un peu sur Twitch, hein. C'est une dinguerie. Je
Je peux pas aller voir. Attends. Je peux aller voir. Je peux aller voir. Regarde vite fait. Ah, rien que la musique. Vous entendre. Vous aurez pas l'image, mais c'est pas grave. What? What? Une figurine ça? Avec le pod et tout. Waouh, il y a plusieurs trucs en plus. Waouh, elle est incroyable. Attends, mais il y en a combien? Il y en a plein? Ah, quelle musique incroyable, quel jeu incroyable. Ouais, j'avoue, elle déchire la statuette. Par contre, ils abusent de ouf. Comment la qualité a l'air d'être dingue. Elle est belle, hein, putain. C'est bien gentil ça, ok, d'accord, à déchirer. C'est quoi le prix? On sait pas le prix encore en fait. Okay, on sait pas le prix. Pas encore en tout cas. Mais tu vas prendre toi? Ah ouais. Je vais jouer au jeu The Lies of P. Ah oui, ça je vais jouer ça. Deux body, ok, on sait pas encore le prix, ok, d'accord. C'est une douille. Ah ouais, bah le prix, wow. J-15. J-15? Parlerait pas de Forspoken par hasard? Non, c'est pas dans 15 jours. Si c'est ça. Après, je pourrais vous le faire en live, peut-être celui-là. J'aurais peut-être déjà un peu plus de motivation à y jouer à ce jeu. Qui a l'air très très bon. Hein, 24 janvier, le Forspoken. C'est celui-là ou pas? J'habite où? Moi, j'habite en France. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. À la campagne. Aucune hype de nulle part. Non, bah non, bah. Personne n'a hype. Au jeu. Enfin, si, il y en a bien, mais bon. Ah oui, c'est loin. Parce que. Mon jeu marche plus? Ah si. Ah si, je voulais faire ça, les nœuds, là. Hop, mon Slayer, la voix. Slayer. Ah, je peux faire le 8. Débloquer science de Slayer. Ok, on débloque. Let's go. Marvel Avengers va être mieux vendu que Forspoken, je crois. T'aurais pu faire un unboxing live à la sortie. Ça peut être cool pour les gens. Ah, de Forspoken? Et quel rapport avec là où j'habite, Leilwen? J'ai la fibre, hein, si c'est ça. J'ai la fibre. Ah, pour prêter ma statue une forêt cube. D'accord. Ah putain, bah, c'est sympa de ta part du coup de faire ça. Hop, on va prendre ces deux trucs. Ah, des modes Forspoken, j'ai perdu l'envie d'y jouer. Il y en a beaucoup, je crois, qu'on perdu un petit peu l'envie de jouer, malheureusement. Pour un box en live, ouais, j'avoue, ça aurait été très cool. Coucou rapide, my name is Jack Garland. Salut petit Marcassin, merci de ton petit coucou rapide. En plus, je l'ai précommandé. Prix collector de Forspoken. Non, j'ai pris la version avec le steelbook,
Mais en toute logique, je l'aurais gratuitement. J'aurais toutes les versions de Nier Automata. Ah putain. Par contre, tu dois avoir une sacrée collection du coup. Et donc, il en est sur... Je ne sais pas trop ce que ça fait les lanternes. Ouais, donc, une queen hype, les gars, de Forspoken. On sait tous. On sait tous que qu'on s'en fout. Nier et FF seulement maintenant. Putain, bien. Chapeau. Ah, tu l'as quand même pris, je savais pas. Ben oui, je l'ai quand même pris parce que ça reste du Square Enix. Et si je veux faire quand même une chaîne, pas que sur Square Enix, mais globalement sur Square Enix, et vous proposer des tests des jeux Square Enix ou des trucs comme ça, il faut que j'arrête d'être en retard sur les jeux et de plus les prendre quand ça sort. Parce que sinon, ça intéresse plus personne. Et surtout, je me sacrifie pour vous. Je me sacrifie. Comme ça, vous ne l'achetez pas. Attendez, attendez. Ah, ça se trouve, non, attendez pas en fait. Prenez-le ou pas. Mais je vais le finir. Ça se trouve, je vais le drop. Donc en fait, je ferai même pas de test ou quoi. Ça se trouve, je vais le drop en cours de route. Donc voilà. Ah, ça c'est bien ça, l'augmentation d'endurance. Ah bon, c'est frustrant. Je sais pas si y a un collector. Je pense que oui, il y a toujours des collectors, des petits collectors encore. Parce que je vais finir dans mes boîtes en carton avec tous les jeux que je dois encore. Oui. Ce sera un non-test. Je vous proposerai le non-test. Je me rappelle encore de votre live à Tour et Cale sur TGS Square Enix de 2021 avec le jeu des petits chevaux. C'était énorme, le jeu de loi selon. Ah oui, putain, mais oui! Le jeu de Ito. Les mecs, ils ont ramené Ito pour faire le jeu de loi, quoi. L'abus des mecs, quoi. Ils ont aucun respect. Aucun respect pour le monsieur. Bon, là, je vais pouvoir aller où alors? Faut que je trouve des. Karabakh. Ça. Mais je suis pas encore assez fort. Là, par contre. Moi, je viens de là. Non, je viens de là. Non, je viens de là. Je vais aller là. Je joue pas FF14. Non, parce que FF14, il est sur la PlayStation 5. Et du coup, il faudrait que je trimballe tout mon matos. Mais je pourrais vous faire le live en fait FF14 sur la PS5, mais dans le salon. C'est-à-dire que c'est un peu plus chiant, la qualité est pas si ouf que ça et tout. Donc ouais, il est sur PC, mais je vais pas le racheter, tu vois. Je peux pas. Ils font pas comme Dauntless par exemple. Dauntless, je l'ai sur PlayStation 5, bon après c'est un jeu gratos. Je l'ai sur PS5, mais j'y joue via l'Epic Game Store directement sur PC. J'ai ma progression, j'ai tout. FF14, il n'y a pas ça. C'est bien qu'ils fassent ça, un compte pour tout. Instant gaming, non, bah non, bah ça veut dire qu'il faut que tout je recommence. Je pourrais toujours recommencer FF14. Ah, j'aurais la flemme là pour le coup. Non, je vais pas recommencer, ah ouais? Instant gaming, faut que je leur paye, t'as le même compte. Ah ouais? Juste pas la même plateforme. Ah ouais? Ah, faudrait que je vois ça. Mais il y aura des lives sur FF14 encore. D'ailleurs, je pourrais peut-être en faire un cette semaine ou la semaine prochaine, puisqu'il y a la nouvelle mise à jour qui arrive quand même. Ouais, il est niveau 9 lui, il va me défoncer. Attends, c'est pour tout recommencer, j'aurai la flemme. Ouais, j'avoue, j'ai la flemme aussi. Là, je vous cache pas que j'ai un peu la flemme. Il y a des gens là. Wow, ça déchire! Par contre, il est trop fort pour moi là. Il est direct, il est trop fort pour moi. Je pense que je me suis mis un petit peu trop fort. Donc, hein, la fuite, c'est la meilleure option. M'a-t-on dit. Donc let's go. Hein. Oui, tu passes par le site internet sur console quand tu lances FF14. Mais juste licence PS4 ou PC ou les deux. Exactement le même identifiant. Attendez, va falloir que je regarde ça parce que si je peux y jouer sur PC en ayant ma version déjà avec mon compte, c'est pas mal. J'ai PC, PS4, PS5. Ok. Avec du coup tes niveaux sur lesquels tu perds juste ton ATH. Ok. Et pas tout le temps. La fuite, c'est une retraite stratégique. Exactement, shot bourré, c'est ça. Donc refaire les skills. Et genre, ça veut dire quand tu passes. Par exemple, là sur ma PS5, j'ai mes skills et tout le bordel. Je passe sur la version PC. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse mes skills et tout pour la version PC. Mais si je repasse sur la version PS5, est-ce qu'il faut que je refasse encore mes skills? Ou j'ai mes skills pour la version PS5
Et PC, t'as ton ATH. PS5, t'as ton ATH. Et PC, t'as ton ATH aussi. Ça change pas. Ok. Bah, parfait. Bah, ça va alors. Parce que si à chaque fois je dois tout me retaper, ça, c'est le genre de truc qui va me gonfler. Mais si je dois pas tout me retaper, ça va. Ah non, c'était pas ça. Est-ce que tu veux déjà essayer Monster Hunter World ou bien Rise? Enfin, je trouve World encore plus immersif et je kiffe. Et justement, je parlais de Monster Hunter World où j'ai fait juste la démo. J'ai le jeu, mais j'ai jamais joué. Parce que je sais que c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, le temps, je l'ai pas forcément là, quoi. Bon. Raison de chasse. Les missions, je peux les faire ou pas? Carrément pas. Ascension. Niveau 10, recommandé. Pas possible. Là, niveau 7. Niveau 7, c'est ce que je viens de faire, non? Au niveau 8, alors. 6. Et PC, tu peux remettre ta manette. Je joue avec ma manette PS5 sur PC avec DS4 Windows en filaire. Ça, c'est bien ça. Il faut quand même que je repaye un petit truc. On est d'accord, si je veux sur Instant Gaming. Je repaye quand même un petit truc. En plus. Pour la première fois, je veux dire. Oui, le client. Ok. Ok, écoutez, ce sera à voir alors. Parce que peut-être ça peut être intéressant, effectivement. Ou Steam. Ah, d'accord. Maintenant, t'as plus le temps de finir un jeu. Déjà, le prochain qui sort, ouais. Et surtout quand c'est des gros jeux. Quand c'est des petits jeux encore, ça va. Niveau 7, 7, 7. Allez, on va y taper du niveau 7. On est niveau 6, ça devrait le faire. Je suis à Vanguard depuis une semaine. Je suis toujours pas dans Ishgard. Et tu sais qu'ils ont raccourci, hein, déjà. Ils ont déjà raccourci, c'était super long pour aller à Asgard avec les quêtes et tout. Hein. Mais c'est toujours un petit peu long. Hop là, attendez, attendez, attendez. J'ai envie d'aller là-haut, moi. Je peux aller taper. Ah, ça déchire, ça. Ah, ils viennent de le buter. Ah, ça claque, ça. Maintenant, c'est la meilleure extension avec Stormbringer. Complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Sais pas où ils vont, mais je vais venir avec vous, les gars. On va se battre ensemble. Hein. Ah, ils vont là. Stormblood, j'ai l'impression qu'il y a personne qui a kiffé. Ah, si, si, moi j'ai kiffé Stormblood. La géopolitique et tout. J'ai kiffé, en plus il y a Xenos, tout ça, il y a des putains de bonnes scènes. Mais c'était un peu plus mou que les autres quand tu passes à Evensward et tout. Effectivement. Un petit peu plus mou, mais moi j'ai bien aimé aussi le fait de poser les choses, le contexte et tout. De voir Garlemald vraiment, d'un point de vue un peu différent. Et voilà, donc ça reste une excellente extension, c'est juste que par rapport à Shadowbringer et Evensward, effectivement, c'est un peu moins bon. Et Endwalker qui tue aussi. Hein. Endwalker, la dernière, on se claque. Hein. Ouais, ils sont en train de tous les dérouiller là. Je pense que je suis avec des oufs là. Comment je fais ça? Ah non, c'est pas ça que je fais. Je me suis fait chier jusqu'à les trois quarts. Ah ouais? Estinien, bah ouais, Estinien. J'ai adoré, moi, Endwalker. Hein. Et 700, on va bientôt passer niveau 7. Limité au feu, d'accord. Oui, la fin, c'était bien. On spoilait pas, mais le assassin de Doma... L'assassin dommage, je la sens pas. Dès que quelqu'un montre pas son visage, je me dis que ça cache un truc. Ok, non, no spoil. On va pas spoil du tout. Mais y a un daron là. Ah ouais, il y en a un qui est plus grand que les autres là. Très bon les bruitages aussi.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? On te marave la tronche, mon gars. Laisse tomber. Waouh. YouTube. No spoil, les amis, pour ceux qui n'ont pas fait. On ne dira rien sur les ninjas, ni les samouraïs, ni les assassins qui cassent le. Ils cachent tout. Tac. Taratata. Je me souviens même plus. Je me souviens, moi. Que les bémotes. Il y en a deux autres. Allez, c'est parti. Ouh, là, je suis dans un événement. Il l'a dérouillé direct, quoi. Le gars, il est arrivé. Il s'est fait dérouiller, quoi. Là, ça, c'est pour moi. Et les petites marques qui apparaissent sur son corps. Ça, c'est stylé, ça. Pas trop dit. La petite queue, oh bah c'est mort, il est mort. Attends, je te réponds juste après, Binous. D'ailleurs, salut, Binous. Alors, on va prendre les petits. Il y a une récompense quelque part, là. Hop là, voilà, parfait. Alors, mais sinon, ouais, FF14, ça prend une autre dimension après Rim Reborn. Complètement. Les personnages à haut niveau, ça dérouille tout. Ouais. Tu vas jouer à Rise lorsqu'il va arriver sur PS5 Series la semaine prochaine, ou tu vas attendre Wild Hearts et rester sur Dauntless. Alors, ben je savais pas déjà qu'il arrivait en mois de janvier, Rise. Est-ce qu'il sort en boîte? Si oui, je le prendrai. Pas tout de suite parce que malheureusement, trop de trucs en janvier, trop de trucs ces mois-ci. Mais autrement, ouais, j'y jouerais bien parce que j'aime bien Monster Hunter, mine de rien. J'aimerais bien faire une petite rétrospective aussi sur Monster Hunter, les épisodes et tout, en live, pourquoi pas aussi. Donc si ça peut vous intéresser, vous me dites juste de jouer un épisode comme ça, tranquille, pendant 1 heure, avant de passer à l'autre. Et puis voilà, jusqu'à arriver à ceux que j'ai pas fait en fait, parce qu'en fait, j'ai fait que le premier Monster Hunter, plus un peu le World, et c'est tout, moi. Et donc ce jeu vaut le coup. Dauntless, oui, clairement, enfin, moi je kiffe en tout cas, je m'amuse bien et tout. Je m'amuse bien sur ce jeu. FF14, ça vaut le coup largement en termes de lore et de haut level et de contenu. Ouais, carrément. Je sais pas s'il sort en boîte, je sais que sur le store il est à 40 ou 50 euros sur l'édition que tu prends. Ok. Mais il faudra que j'aille voir alors, parce qu'il peut être. Ça peut être sympa. Moi en tout cas, je le veux en boîte. S'il est pas en boîte, je le prendrai sur Switch. Ce serait dommage parce que la version PS5 du coup va être meilleure et tout au niveau graphisme et tout, mais bon. En tout cas, vous êtes des petits fans de Monster Hunter ici, j'ai l'impression. En tout cas, ça aime bien les jeux. Donc si vous êtes fan de Monster Hunter, celui-là, il peut vous intéresser hein, quand même. Ouch. Mité au feu. Ça marche, Lelwende. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Et bon courage pour le réveil. Hein.
ça fait mal à ce temps-là. Alors je vois nulle part sur Amazon ou la Fnac version boîte. Ah, ça pue ça. A plus. Pas trop fan de Monster Hunter, mais c'est plutôt que je n'ai pas le temps pour jouer. Ouais, bah, il faut le temps pour jouer, quoi. Toujours pareil. Hein. Quand on n'a pas le temps. J'ai pas mal joué à Dauntless, mais j'ai stop, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ah, bah écoute. L'occasion d'y revenir. On pourra se faire des petites sessions comme ça, tranquille. Moi, j'y joue en live et tout, quoi. Voir là-bas. Après, faut pas se le cacher, hein. Il a quand même un côté répétitif, je pense. Hein. C'est pour ça que tu l'avais drop. Hein. Moi, l'univers et tout, découvrir des petites îles, des nouveaux monstres et tout, j'avoue, ça me plaît plutôt pas mal. Faire des petites sessions d'une heure, 1 heure et demie. Pas grand-chose, quoi. Il faut pas grand-chose, mais bien. Ah bah, il est mort. Juste devant le mec. Petite patrouille, allez, on va aller voir là-bas, hop. Toi, casse-toi. La petite zone de combat, on est parti. Waouh! J'ai dû péter quelque chose avant que lui me pète. Moi, je pense qu'il y a des amis qui vont venir juste après. Ouh, ah d'accord, ils m'ont tué, c'est pas grave, tout va bien. Vas-y, fonce dans mon truc, parfait. Et personne vient. Personne. Pas grave, hein. Oula, il est en rage. Attendez, là, c'est maintenant qu'il faut le... Hop. Concentre un peu parce que sinon je vais me faire défoncer. Je vais aller d'ailleurs me remettre un peu de vie là-bas. Oulala, oulala, oulala. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Vite, il me reste 11 PV. J'ai le Game Pass. Non, j'ai pas le Game Pass. Lies of P, ça pourrait être faisable en live, ouais. Au moins le début, ouais. Pourquoi pas. Il me chie dessus encore. Hop là, toi ta queue, elle est plus là. C'est bon, ça va toucher, j'avais peur. Tout seul, ça se fait, hein. J'arrive quand même bien à le défoncer. Et finalement, ça passe.
Vite. Hop là. Voilà, nickel. Ça se fait tout seul en fait. Ouais, c'est plus chiant parce que j'ai l'aggro, mais bon, c'est pas très grave hein, finalement. On y arrive. Hein. Alors, salut Drex. Comment ça va? Vous parlez de Tales of, j'ai l'impression là. Tales of Vesperia, il est bien lui. Apparemment, il est bien, ouais. Il sera en version Series. Ah oui, tu parles de Rise, ok. Et j'ai pas en démat moi. Génial, Tales of Vesperia. Ah oui, à ce point, quand Symphonia va sortir, je vais m'enchaîner tous les Tales of. Fais-toi plaisir, la série Tales of sont bien. Ouais, j'avais fait un petit peu le Fantasia. Moi, je suis très en retard sur la série Tales of. Mais faut que je la rattrape, un de ces quatre. Des RPG que je veux faire, quand même, quoi, c'est Tales of. À l'époque, Tales of Symphonia sur GameCube, c'était une claque pour moi. Tales of Zestiria, du coup, aussi, tu dis Drake, ce qui est pas mal. Faudra les faire, faudrait que je les aie et que je les fasse aussi. Oh là, j'ai trop de jeux, les gars. Une vie va pas me suffire. Hein. Clairement pas. Hein. Ça va clairement pas me suffire. Bon, il y a encore lui. Qu'est-ce que je fais? Je suis à 357 sur 1300. Ah bien qu'il y ait d'autres gars. Ah, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus personne en fait. Zéro. Il n'y a plus de mecs là. Ils sont barrés autre part. Aliria, il me faut des. Voir Aliria. Mince. Oh, Drex, merci pour le follow. C'est fini, pour moi, c'était pas le meilleur. Pense que tous les Tales of, c'est un peu comme les FF, quoi. Ils ont chacun leur petit truc à apporter. Pas le temps pour faire le Berseria, il existe un manga, ça prend moins de temps à lire que faire le jeu. C'est la même sans le farm. Ouais, mais le jeu, c'est pas pareil, quoi. C'est le jeu. Je préfère jouer que lire. Ah mais il est que niveau 5 l'autre là-bas là. Ouais mais je vais pas buter un niveau 5. Qu'est-ce que je voulais alors? Il me faut Phalanx. Ah ouais mais non mais c'est des eux que je veux moi. Ça c'est ça qu'il faut que je fasse. Oh! Je peux faire la fabrication. Pour l'armure. Cool. Faut que j'y aille alors. Let's go. Tales of Arise, il serait temps que je m'y mette. Je me suis toujours arrêté à 2 heures du jeu, merci le taf. Ah, le travail, ça démotive toujours, malheureusement. Toujours le petit problème. Trop de jeux, pas assez de temps. À cause du travail. Alors, on va les faire revenir vers Moira Exkiger. Voilà, je vais pouvoir faire l'armure. Alors c'était laquelle par contre? Ils disent pas. C'est le manteau. Donc c'est ça. Alors. Ah c'est celui-là, je peux le faire, c'est cool ça. Ça va changer. Allez-y. Hop là. Voilà. On va équiper. Direct. Classe. Qui parle. Oui, il y a des jeux comme ça, j'arrive jamais à continuer, peut-être j'aime pas en fait. Days Gone, je parle de toi. Bonne soirée Binous, merci de passer. À la prochaine. Il manque que je change mon casque par contre là. Lequel le casque? Je crois que c'est celui-là, l'œil de l'essaim. Je vois l'œil de l'essaim. Ah, c'est ça. Moi, je veux celui-là. Il me faut les carabacs. Et eux, bah, je suis pas assez fort pour eux. Donc, le manteau, bah, écoutez, le manteau, je peux l'enlever en fait maintenant. Comment je fais? Ne plus suivre, tac, voilà. Ajouter si jamais. Je ne sais pas si tu débutes, mais dans ton stuff, tu vas souvent jouer l'épée, favorise la constitution et le truc pour les dégâts critiques. D'avoir des armures d'éléments différents.
Je vais avouer si besoin sur Epic Games, c'est Zebus. Ok, bah merci de tes conseils, Drex, je vais suivre ça. Donc, Constitution, ouais, je joue épée aérolance, généralement, j'aime bien la lance. Donc, Constitution, le truc pour les dégâts critiques, ok. Il y a des jeux où je suis arrivé au dernier boss et j'ai carrément arrêté. Même pas tué le boss final. C'est quoi ça? C'est de la flemme! La course m'avait permis de bien geeker sur Crazy Score, mais la reprise m'a un peu ralenti pour Platine, malgré que je voulais voir, c'est bidon d'ailleurs comme Platine. Oui, j'ai vu un petit peu les trophées, pas rien de ouf, mais bon, parfois ça fait du bien d'avoir un petit Platine assez facile. Plutôt cool. Ok, donc attendez, dans mes stuff, je vois pour les coups critiques. Attaque chargée, dégâts sur résistance, oui. Qualité, et ok. Oh, les trucs. Il y a plus, pas mal de trucs en vrai. Hein. Ah, c'est ça qui est de l'âme, du coup. C'est ça qu'il faut que je. Pas mal de trucs à débloquer, hein. Franchement. Assez complet le jeu. Hein. Ça change de Bloodborne au FF10 ou autre. J'avoue. Mais c'est bien. Je te dis, ça fait un petit platine tranquille, gratos. Ça c'est fait, ça c'est quoi ça? Amélioration. Donc c'est fait aussi. Ça par contre, débloquer fabrication de pylônes. Vite, hein, pour apprendre comment utiliser des airs miniens que vous trouvez sérieux de vous renforcer. Ouais, non, ça je m'en tape à la limite. Pas très. En sens, je m'en fous. Ouais, ça, je suis presque. Hein. 12, il faut 13 niveaux en gros. Ah, c'est lorsque vous atteignez au niveau 20 avec une compétence d'arbre. Ok. Bon, parfait. Chasse. Continuons. Donc là, ça veut dire que je pourrais aller parce que je suis niveau 7. Non, je me suis déjà fait défoncer. Oh, si je peux. Oh, je me suis mis là, moi, en fait. Allez, on va prendre sûr. C'est décidé. C'est parti. Un peu une petite demi-heure tranquille et puis après, on s'arrêtera, c'est histoire de reprendre un peu tranquille. Mercredi, on fait du versus fighting. Je sais que le mercredi, c'est pas là où vous êtes le plus nombreux puisque moi je joue l'après-midi. Vous êtes certainement au travail l'après-midi. On va faire un peu de versus fighting pour continuer à explorer les jeux de combat. On va jouer à Brutal House of Fury, que je connais absolument pas. Juste de nom. Niveau 6, bah ça va, on va se les faire en fait. Parti. Ouch. Hop. Ah, les musiques et tout, franchement, à chaque fois, il y a une petite ambiance. C'est pas mal. Hein. Ouh, on s'est frappé en même temps. Hop là. Ah, les bruitages sont très très bons. Voilà. Il est déjà. Il a plus de queue, le gars. On fait l'électricité. Ah, ça y est, il est vénère. Ça va être l'heure de se prendre du coup une petite potion. Ouch. Y'a personne là aussi. Je suis tout seul sur l'île. Mais où c'est que tu vas, mec? Oh, toi tu vas me foncer dedans, toi. Oh non, il se calme.
Pas moi, chat bourré, parce que j'ai pas le. J'ai pas tout simplement. Stranger of Paradise et j'attends du coup, je pense, la version complète. Tu vas le faire, toi? Quatre-vingt-cinq, du coup? Ah, j'ai pas gagné beaucoup. Et petite maîtrise de l'épée. A voir si j'ai le temps, ok. T'as bien aimé le jeu? Niveau 9 ici. On va voir aller le niveau 7. Hop. Ça allait, ouais, ok. Un truc que j'aimerais bien faire aussi sur Twitch, je sais pas si j'ai le droit ou comment ça se passe, mais en ce moment je suis en train de regarder un petit anime et j'aimerais bien le regarder avec vous en fait, surtout qu'il est sur Amazon Prime, donc peut-être que j'ai le droit, je sais pas. Je regarde Demon Slayer et j'aime beaucoup. Ouf, défoncé lui. Je sais pas si j'ai le droit ou si c'est genre tu pourras mais pas diffuser. Comment ça je pourrais pas diffuser? Genre j'aurais le droit de Twitch, mais pas de. Vous avez pas pouvoir le voir? Ouais, ça pourrait être sympa. Je suis épisode 10 là. Allez, diffuser l'anime, pas possible. Ok, bon, bah ça met fin au petit rêve. Ouh, il fait mal lui. Allez, arrête et remets-toi de la vie. Au revoir, petit rêve, oui. Petit ange parti trop tôt. Ah, il y en a un qui vient m'aider, c'est gentil ça. Ah, il y en a un deuxième qui arrive. Merci les gars, merci. Voilà, il y a des gens là, voilà, c'est parfait ça. Ah ouais, ça aurait été sympa. Faut que je vois un petit peu. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je suis Prime, je suis affilié, il y a peut-être un truc à faire, non? Ou peut-être faut être partenaire ou quoi, mais il y a peut-être un truc sympa à faire. Moi en tout cas j'aimerais bien. J'aimerais bien regarder des animes avec vous. Je pense que ça me motiverait un peu plus pour en parler et pour les regarder. J'ai beaucoup d'animes que je voudrais voir, mais j'ai pas la motivation. Je vais me renseigner après. Je vais me renseigner carrément. Ça, vraiment, je vous dis, ça me motiverait pas mal. Et ça ferait un contenu en plus sur la chaîne qui serait unique à Twitch, on va dire. Là-dessus, que je vous proposerai pas sur YouTube, forcément. Je pense que je peux peut-être pas les remettre justement sur YouTube, les rediff. Donc, mais voilà, ce serait sympa, je pense. Avec toutes ces petites chauves-souris là. Waouh! Ah oui, c'est que c'est un gros là. Toujours le flouter à moitié. Faudrait voir. En vrai, je vais voir. Je vais me renseigner un petit peu sur ce qu'il propose. Hein. Il y a peut-être un truc que je suis pas au courant et qui peut marcher.
Ah ça y est, c'est mort. Oh bah je vais vite avec ça. Je crois qu'ils vont au 9 là-bas. Là. J'aille. Ce bruit. Pour ça, je vais me coucher demain, taf obligé. Merci pour le live, bonne fin de soirée à vous et à bientôt. Merci d'être venu me voir, Spira. Et puis, bah, à la prochaine. Bonne nuit et bon courage pour le taf. Nous, c'est pareil. De toute façon, on va arrêter dans une petite dizaine de minutes, tranquille. Ce serait bien qu'on monte jusqu'au niveau 8. Oh, au niveau 9, il faut, va falloir que je fasse attention. Après, il le zigouille déjà, donc... Toujours un plaisir de passer chez les membres des 4 mousquetaires. Bah ouais, carrément. Toujours un plaisir de vous avoir aussi avec nous. On n'oublie pas que sans vous, on ferait rien de tout ça. Et on s'éclaterait pas autant. Voilà, là, il est terminé, là. C'est pas beau, ça, quand même, parce qu'on voit sur les joueurs, là. Un joueur PlayStation, un joueur Xbox, un joueur PC, on est tous réunis, là. Tous ensemble contre un méchant. Ça, c'est beau, ça. J'ai pas ce problème, je suis au taf. Bah oui, toi, déjà, oui. Déjà, tu peux quand même regarder. Ça, c'est pas mal. Moi, au taf, ce serait impossible de regarder le live. Et je pense qu'ils vont tous là-bas. Let's go. Ça donne de combat. Oh, il y a un coffre. Je vais voir quand même. Le petit coffre, j'ai des clés. Parfait. Hop là, c'est parti. Il est où ce bâtard? Ah, il est là-bas. Allez, let's go. Ok, pas de coup de fil, je suis tranquille. Tu fais quoi? Tu fais quoi comme travail pour un... Dans la sécurité ou un truc de téléphone hôtel ou un truc comme ça? Ah merde, je me suis fait avoir. Ah putain, j'avais tout fait. Lui qui m'a... Bon ça va, j'ai quand même eu la queue. Il est très juste comme jeu. Voilà, ça c'est terminé. Tac. Ta-ta-ta-ta. Ah, les bruitages et tout, ils sont vraiment trop cool dans le jeu. Ah bah c'est moi qui l'ai tapé. Allez, c'est parti. Hop. Je suis fonctionnaire au ministre. S'il y a un problème à l'étranger, je dois tout régler.
Ah! Fonctionnaire au ministre. Ça va être un taf de ouf que tu fais quand même. Hop là. Aïe. Ministère, d'accord. Ouais, c'est un taf de ouf alors. Ça arrive souvent, les soucis? J'imagine que non, enfin j'espère pour toi. On va les couilles, aïe. Allez, toi t'es mort. Je vous suis, les gars. Jour les plus radieux. Il m'a compris, ok, faudra que j'aille voir ça. Ah, un gros behemoth là. Quand les personnes perdent leur passeport à l'étranger. D'accord, ok. Au taf quand même hein. Bien le design de ces monstres là. Waouh. Ouch. Qu'est-ce qu'il fait lui hein. 124. Ah, c'est vraiment tout ce que tu fais en fait. Et la paperasse, ouais. C'est le plus chiant la paperasse. Moi je sais que de mon taf j'aime déjà pas le peu de paperasse que je fais, l'administratif et tout, c'est pas mon délire quoi. Ok, niveau 8 c'est bon. On est pas mal. On va pouvoir se barrer de là. Puissance 20, résistance 20, c'est nickel. On va se barrer de là, on va aller sur une autre île. Le reste c'était secret. Malheureusement. D'accord. Secret, ouais, c'est stylé quand même du coup. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est vrai que j'avais fait ça. Merci. C'est des quêtes que je peux refaire sans cesse. Ouais, c'est secret. Bah oui, évidemment, je pense que. Wow, ça doit être ouf quand même. Hein. Doit quand même avoir des petites histoires sympathiques et tout. Ça doit être quand même hyper intéressant. Mais moi, clairement, trop de responsabilités, trop de. Ça me ferait trop chier. Je pourrais pas. Alors. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait châssis 6 behemoths. Heureusement que je sais spawn de tenir compagnie. Avec plaisir, même si je vais devoir couper après, mais avec plaisir. Le supérieur pour le pass. Ok, donc on va les récompenses. De toute façon, moi j'ai que ça, hein, vous voyez, là, parce qu'évidemment, il y a le truc de pass à la con, le battle pass là. Donc il y a 100 niveaux, évidemment quand tu es sur cette ligne tu gagnes plein de trucs, quand tu es sur cette ligne bon bah tu gagnes presque rien, hein. Voilà, tu gagnes que ça à chaque fois et c'est tout, voilà, c'est pas ouf du tout. Mais bon, c'est le jeu hein, après tout. Moi je veux pas acheter, je veux pas acheter quoi.
Par contre, 3300 en pièces comme ça, là, ça c'est pas mal puisque je vais pouvoir bientôt me prendre des petites armures comme ça, tranquille, des armes peut-être. À voir. Que je peux pas d'ailleurs le. Elle est stylée celle-là hein, comme épée. Kill et le limiter des clés de patrouille, des machins, des trucs. Voilà, ça c'est des petits trucs. De la monnaie d'Eder. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'ils me mettent? Comment je revois? Cacher ta récompense parce que. Effectuer des défis quotidiens et donateurs pour gagner des pièces saisonnières. Utilisez-les pour débloquer des récompenses spéciales avant que la saison se termine et que vos pièces n'expirent le 19 janvier. Janvier. Ah, il va quand même falloir que je les utilise à un moment donné, quoi. Et dans pas très longtemps. Et dans pas très longtemps, quand même. Hein. J'aime bien ça. Ah, ça c'est stylé aussi. Je change mon casque, hein, moi, parce que pue la merde vraiment. Casque, il est merdique. Donc là, Jardin 2, ouais, on s'en fout. Là, il y a des petits trucs sympas. Et moi, c'est là qu'il faut que j'aille. Même pas, moi, c'est là, moi. Parce que les Karabakh. Changer mon casque, c'est là qu'il faudrait que j'aille. Mais bon. Et c'est un peu tendu. Vive les skins non payants. Bah ouais. Moi, je paye que dalle. Et tout est fait pour ne pas payer en vrai. Parce que ça va, hein, tu vois. On farme un peu, mais là en mode chill, j'ai gagné. J'étais niveau 5 en 1h30, tu vois. 6, 7, 8, 8 niveaux, et encore, c'est quand je prends mon temps, donc ça passe en vrai. En vrai, ça passe, tu vois. C'est pas trop bâtard, je trouve. Trouve que c'est pas trop trop bâtard. Moi, je veux quoi? Voyons voir. Les bottes tranchantes, les cœurs électrifiés et les gants tranchants. Tout tranchant, quoi. Voyons voir. Truc tranchant. Ouais, les trucs tranchants. Ça. Ok. Donc il faut des savites. Des savites. Et donc ça, pour ça, j'imagine qu'il faut aussi des savites. Ouais, c'est ça. Et pourquoi je prends pas un casque tranchant là? Il est pas bien? Ah, aspect de la faille, il est pas mal. Hein. Mais les Rift Talkers, je l'ai pas. Ah ouais, si, ça va, il est pas dégueulasse quand même. Et ça vite, je sais pas pourquoi, là c'est loin donc. J'aime pas les jeux pay to win. Ouais, moi non plus. Mais je trouve pas qu'il soit pay to win pour le coup. Que les savites. Là, niveau 11, ouais, ok, ils sont un peu loin. Ah, ça va le faire. Ça va le faire parce que là, il faut... je vais aller là. C'est la première fois en plus que j'y vais. Donc, on va voir. T'as aimé FF7 First Soldier? Compliqué, First Soldier. Très compliqué. En fait, il y avait des putains de trucs niveau gameplay. Franchement, niveau décor et gameplay, il y avait des sacrés trucs. Maintenant, le jeu en lui-même, il n'y a pas de scénario. Les skins à la con qui dénaturent complètement l'univers d'FF7, non merci. Et voilà, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien, enfin il n'y avait rien à se mettre sous la dent quoi dans FF7 First Soldier. Il y avait vraiment des trucs sympathiques en termes de décor et tout, hein. Par exemple on a vu le Auvent qui se construisait, des trucs comme ça, enfin voilà, Midgar et tout, c'était plutôt sympa. Mais au-delà de ça, voilà, pff, pas un truc de ouf quand même. Hein. Jusqu'à novembre et j'ai arrêté. Ah, en plus le service là il arrête là. Moi j'ai joué un petit peu avec un pote quoi en gros, et puis après bah là on a arrêté, parce que moi, ça, en plus ça m'intéresse plus trop. J'aurais peut-être un petit peu avant la fin, histoire de. Il est adapté à un lui, bah ouais, mais j'aimerais bien que d'autres potes viennent en fait pour le coup. Aïe. Aïe. Ah, c'est fini. Ah bah c'est fini maintenant en fait là, non? Il était déjà terminé en fait, je sais plus c'était quand la date de fin. La date de péremption. Oh, tu me diras, j'ai désinstallé de toute façon. Chercher à la réinstaller.
Je vais finir en janvier. Ouais, c'est ça, ouais, en janvier, mais je sais plus quel jour. C'était genre le 31 ou début janvier, je sais plus. Par contre, adapté à 1, lui, il est chaud tout seul, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, il y a un autre gars qui vient. Déjà, va être un petit peu mieux. Peut m'atterrir dessus là, non? Non, c'est bon. Par contre, il est en rage. Je sais pas quel jour. Ouais, je sais pas non plus, mais après, c'est pas très très grave. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la fin pour lui. Hop là. Putain, je tue plus rien avec ces conneries de... Nuit en glace là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ils explosent. Voilà, c'est eux qui me tapent aussi. Ah, ça va, j'en ai un deuxième, un troisième là. Ah bah non, j'en ai que deux. Toujours le même. Voilà, là je l'ai cassé là. Le jour où je ferai Sonic Frontiers, ben ouais, je vais avoir un peu de temps parce qu'il faudrait que je l'achète déjà. Mais c'est un jeu que je veux faire parce que c'est quand même Sonic, moi j'adore Sonic. Et puis voilà, on va voir quoi. Bon, on est 3 là, on va quand même le défoncer, hein, il lui reste qu'un carré. Attention parce qu'il est quand même vénère. Bien vénère quand même. Il lui reste vraiment rien. Et ah, ça y est. Là, je meurs. Chaud. La semaine prochaine, je ferai Sonic Advance 3 en live. Par contre, ce sera sûrement le mercredi après-midi. Hop là. Allez, je vais retourner dans la ville. Et on va s'arrêter ici. Retourner à Ramsgate. Tac. Bon, je me suis levé tôt quand même ce matin. Je commence à fatiguer un peu aussi. Alors, récupérons les petites primes. S'il y en a des défis, ouais, on s'en fout des défis. Les primes, j'en ai pas. Sur ton live le mercredi alors. Mais le mercredi, je live du coup à 14h30. Jusqu'à 15h30. C'est une petite heure le mercredi. Ah, c'est Pangard deux fois. Ouais, là,
where to next, Skip? That'll be all then. Ok, eh ben écoutez, hein. On va s'arrêter tranquillement sur ça. Voilà. Hop, on va remettre ça. Passage bus de nuit toute la semaine. Ok, donc t'es là l'après-midi, ouais. Ouais, voilà, les mercredis. Moi, généralement, mes horaires, c'est ça. C'est le lundi de 22h30 jusqu'à minuit. Ensuite, le mercredi de 14h30 jusqu'à 15h30. Et puis normalement, le vendredi de 22h jusqu'à pas trop d'heures, là, pour le coup. Vraiment, c'est minuit. Mais autrement, il n'y a pas trop d'heures. Sauf, exceptionnellement, là, ce sera jeudi soir. Parce que vendredi soir, je suis pas là. Donc, ce sera jeudi soir, le live. On continuera à jouer à Lost Odyssey, quand même. Parce que faut avancer le let's play de Lost Odyssey que je fais. Voilà, bah merci à vous d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bah, dès demain pour un nouveau live. Attends, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, si c'est pas déjà fait, etc. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un grand merci à vous d'être présents et fidèles, et une bonne semaine, bon courage pour le travail, et je vous dis à demain, ou alors à très très bientôt. Ciao tout le monde, et merci encore.